Pensez aussi à ceux qui pourraient s'appeler Bernard, car c'est la fête de ce grand saint aujourd'hui. Et par exemple, ceux qui habitent dans le Sungo, vous connaissez Lucel, on y garde le souvenir de Saint Bernard. Chers amis, ce que nous venons de chanter tout de suite résume bien toute la démarche que nous allons vivre. Venez à la source de la vie. Je crois que c'est une composition de vous, Mathieu, sur des paroles de Jésus-Christ. Voilà, c'est pas mal, hein? Alors, venez à la source. Je ne vais pas en dire plus, mais tout notre pèlerinage sera une attitude où on va vers, on se bouge, on ne fait pas du surplace, même si pour l'instant vous êtes solidement assis, avec en plus le confort supplémentaire de la moquette. Je vois que d'année en année, ça s'améliore. Hein? Et la moquette est propre, vous avez vu. En tout cas, le sens du pèlerinage, c'est se mettre en mouvement, aller vers la source de la vie et donc aller vers le Christ. Quiconque est venu, à partir du moment où il est monté dans le bus et qui se dirige vers Lourdes, il ne peut pas dire « je reste chez moi, je reste derrière toutes mes affaires avec mon portable, etc. » Je ne cause à... Ce n'est plus possible. Quelque chose va changer. Nous en parlerons dans un instant. Pour l'instant, on vient. Et on vient à Lourdes, à la source. Nous savons que l'événement de Lourdes, eh bien, c'est la belle dame, Marie, qui va parler à la jeune Bernadette Soubirou et qui lui dira, alors qu'elle se recueillait, « Eh bien, venez à la source pour vous y laver. » Nous en reparlerons pendant tout le pèlerinage, vous aurez l'occasion d'y réfléchir. Mais c'est très beau, le fait de venir et de venir à une source de vie. J'invite maintenant les trois membres qui constituent cette nouvelle équipe du Pélégène. Et je voudrais aussi faire mention de tous ceux qui auparavant, depuis l'an 2000, ont animé tous les Pélégènes. Je les remercie. J'invite maintenant Myriam, Nathalie et le Père Geoffrey. Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien ? Ouais ! Est-ce que vous avez bien voyagé ? Ouais ! Est-ce que vous êtes fatigué ? Ouais ! Oh, c'est génial. Bon, alors nous, on dira qu'on n'est pas fatigué aussi. En tout cas, on est très, très, très heureux de vous accueillir aujourd'hui. C'est le résultat d'un petit peu de travail, mais surtout de beaucoup d'espérance. Et vous répondez aussi à nos espérances. Donc, merci beaucoup à vous. Vous pouvez vous applaudir. Merci. Voilà, alors moi je suis Myriam.